Compromis signé, j'espère que t'es sûr de ton coup. Allez, si c'était pas le cas, on te laisse une chance. À partir de la signature de ton compromis, la loi t'accorde 10 jours pour te rétracter sans avoir à te justifier. Qu'importe la raison pour laquelle tu souhaites te rétracter, il te suffira d'envoyer un courrier recommandé au notaire ou à l'agence, et ce, dans un délai de 10 jours. Si besoin, je te mets le lien vers un courrier type dans la description. Alors, je le concède, une rétractation, ça n'arrive pas souvent et c'est pas sympa pour les vendeurs. Toutefois, c'est ton droit et en cas de doute, ça t'assure une certaine sécurité. Tiens d'ailleurs, si tu t'es déjà rétracté d'une vente, dis-moi pourquoi en commentaire, ça m'intéresse. Ce délai de 10 jours, c'est ce qu'on appelle le délai légal. Ouais, je fréquente trop Christophe Legal, moi. On parle là de délai légal de rétractation, pardon. Passer ce délai, te rétracter sera forcément beaucoup plus contraignant et pourquoi pas beaucoup plus coûteux. Pourquoi beaucoup plus coûteux ? Va faire un tour ici. Et pourquoi plus contraignant ? Bah va voir là.